Royo, ici Shimigami, pour votre plaisir. Sam, votre je crois que Charlie a du nouveau matériel à te montrer. Ouais. Comme je l'ai dit dans la présente vidéo, je vais faire. Enfin, je vais commencer à faire les épisodes, on va dire, annexes. Qui font les. Enfin, voilà, l'émission annexe, voilà. Donc voilà. Entre temps, pour cette émission, je pense que je vais m'acheter des armes modifiées. Alors. Ah, mais aujourd'hui, ils adorent Rust. Aussi. Comme tous les jours. Bref. Bon, ben, go. Voir ce que je peux m'équiper. Alors, j'ai 166 000. Je peux améliorer ma combinaison avant, et après je verrai pour le reste. Peut-être m'acheter un. Non. On va voir ça plus tard. Alors, les gants. Ouais. On va acheter ça, tac. Les pages du premier. En 2000 euros, on va acheter ça, tac. J'ai plus de trucs discrets. Enfin, je crois plus discret. Ah non, j'ai pas assez. Les gants. Achetons ça, genre plus de maniabilité. Enfin, c'est. Ça casse ou ça. Hein. Voilà quoi. Ça c'est de l'armure. Je crois que je vais m'acheter les mini-chocs. Mais je crois pas que ça marche sur les gros machins là. Enfin les gros bulldogs. Voilà, du moins ça fera un truc pour taper sur la gueule. Bon, pour ces missions à ce Mister Kedou en informatique et tout là, on va les attendre parce que j'ai un ami qui m'a fait part que c'était des défenses, des captures et je suis pas vraiment encore au point de subir 20 vagues. Donc ça sera pour plus tard. Bon, après, ce monsieur, je ne sais point. Mais je pense que pour elle, c'est des trucs d'ambassade ou je sais pas où. Non, c'est non, les anciens, c'est pour lui là-bas. Enfin, avec l'informatique. Mais je pense que, ouais, on va faire elle. Tu fais travailler les analystes en leur sup. Les infos de nourrice sont prometteuses, mais il y a beaucoup de tri à faire. C'est une bonne piste. Dur à dire tant qu'on n'a rien confirmé. Ok. Alors, ouais, aussi, il faudrait, je pense, améliorer l'avion. Parce qu'apparemment, ça serait intéressant d'avoir certains trucs pour double protection. Ok, fusil à pompe. Revient un placement des clés USB sur l'interface. Ça, ça peut être pas mal. J'aurais peut-être pensé à commencer à équiper ça. Ok. Ok. Ouais, c'est pas intéressant. Ouais. Bon, mais on va commencer la mission avec. Je t'écoute à propos de cette mission secondaire. Je traque la présence en ligne des ingénieurs. 60% de leur trafic utilise le même routage. Un serveur de données sur une île privée. On peut lancer une frappe virtuelle? Ils sont trop doués pour ça. Il faut faire ça à l'ancienne et proprement. Quel est le site? C'est au large de l'Angleterre, un ancien fort maritime. Le propriétaire se fait plusieurs millions avec son petit business. Donc j'y vais, je place un mouchard et je me sauve. Et sans te faire repérer, sinon ces hommes détruiront tout. Ok. Bon, mais on démarre la mission. En solo. Alors, qu'est-ce que je vais prendre sur mon équipement? Ça, donc ça, vous pouvez, hop, là, les galettes. La combi. Ça, ouais, je pense que le snipe sera pas mal. Un secondaire, ouais.
Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà le topo. Il va falloir être prudent lors de cette approche. Miss Verhoffington possède un système de sécurité dernier cri qu'il a renforcé avec de nombreux gardes. Je croyais que ça serait facile. Tout est relatif. De plus, les points d'accès aux données sont dans les derniers étages du bâtiment. Alors, ce sont surtout des logements, mais vous trouverez ce que vous cherchez. Compris. Ça, c'est fait. Donc dans cette mission je dois pas me faire repérer au maximum. Je vais vite casser tout, je pense. Même si ça peut me rapporter beaucoup d'argent. Ah ouais, peut-être casser quelques lumières. Tu devrais voir une porte scellée. Il y a un vieil arsenal à munitions derrière, avec des ascenseurs que tu peux utiliser pour accéder aux appartements. Oui, voilà, ce que les serrures synchronisées. Il faut être deux pour l'ouvrir. Non. Je vais chercher un autre accès. Bien reçu. Je vois qu'il y a de l'eau. Voyons, on voit ce que ça marche. Enfin, mon idée. Hop là. Plouf. Ah, ça marche même pas. Pourtant, c'est caché encore là. Alors, c'est pas un shot. Au moins, ça va cacher encore ça. Ok, alors il y a un mec là. Oh, il a un casque. J'ai pas intérêt à m'emmerder celui-là, je crois. Bon, j'en ai un coltinet. Ok, j'ai un moteur à prendre là. Ah, ça passe pas. Ah ouais. Oh, je sais pas. Alors, on va essayer d'abord le routeur. Pourquoi on passait par là? Par là. Hop. Ok, il y a un mec là, un mec là. On va se les marquer. Voilà, tiens, hop là. Approche-toi. Où ça? Est-ce qu'on s'est marché? Allez, avance. N'aie pas peur. Je suppose que c'était rien. Oh, vas-y. Là, ça marche. Alors, je suis dans le showroom. J'ai pour le routeur, c'est bon. On a les données. Plus que deux objectifs.
Un truc qui clignote là. Ah ouais. J'ai mis la main sur des données pour toi, Grim. Bien compris. Je regarderai ça quand tu reviendras. Alors. Je crois que je peux passer par l'intérieur. Parce que vu qu'il y a un chien, j'aime pas trop les chiens. On va passer en furtif. Ah, je vais passer par là. Bon, après, je pense pas que je peux avancer plus loin, tu sais. Non. On peut m'appeler comme métal. On va passer par là alors. Alors. Ouais, que je fasse ça. Oh, snipe. Allez, viens par là, toi. Tu étais bien placé au bon endroit. Enfin, bon endroit, ouais. Sniper, il vise là-bas. Je pense que je la vois ouverte. Oula, une caméra. Oh, je vais capturer le sniper. Une balle, c'est mon pistolet. J'ai une bonne nouvelle pour cette mission. La cible que tu as menottée était recherchée. Interpol le traquait depuis longtemps. Excellent. J'ai trouvé la ligne. Je pose le mouchard. Ok. Alors. Capteur de données actif. Il reste un objectif. On va voir qui reste. Alors. Et lui. Lui. Il y a un chien en bas. Dis pas qu'il y a que lui. Si.
pensais qu'il y avait trop de gardes dans le coin. Garde, parce que là, franchement. Je pensais. Normalement, ça va. C'est tranquille. Oh, des lasers. Passons par là, tiens. Oh. Qui veut prendre un petit bain? Efficace. J'ai le portable, je mets le mouchard. Le transfert est en cours et les systèmes sont OK. La prochaine étape, c'est sortir d'ici. Discrètement ou pas? Ça, c'est bon, ça. Soyez discret et allez sur les quais pour l'exfiltration. Bien compris, on y va. Ah, là-bas. Oh, je peux plus le voir au travers. Je crois qu'il est tout seul, de toute façon. Et où se pourrait-il? Bon, là, je vais partir, donc hop là, on se barre. Hein. Oups, je vais défoncer une Porsche. Faisons, on va le faire silencieusement. Jamais. Une petite pointe de descente, ce truc. Je sais pas si je peux le passer par là. Non. Wow. Il y a eu un petit bug là. Comment je fais pour tout à l'heure? Ah oui.
Bon ben voilà, je pense que la mission est terminée. Donc je vous dis à plus tard pour d'autres missions annexes. Ok pour l'extraction. Bye bye, à plus tard, c'était Gunshow. Bien compris, vous pouvez y aller. Je vous retrouve à bord.